is Emmanuel and I'm 7 years old. We should stop people dumping rubbish in the water and making their mom or dad drive them to school and walk to school. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 5 ans. Il faut pas me gaspiller l'eau, arracher les arbres et donner les joujoux et les vêtements aux enfants qui n'en ont pas. 僕の名前は吉田葵です。6歳です。僕はゴミとタバコが下にたくさん落ちてるので、僕はタバコをタバコのゴミ箱に置いて、で、捨てて、で、ゴミをゴミ箱に入れればいいと思います。من الإمارات أتمنى أن دول العالم تكون متوحدة وأنهم يكونون مترابطين متعاونين بالسلامة. Io voglio fare la passeggiata e giocare con i bimbi, ma poi guardare la tele perché c'è tanta corrente. Today we will be talking about how to save the planet and we would like to make sure that all the money has been shared equally and everybody has money so that nobody is on the street. Voor de planeet wil ik recyclen en ik wil schone energie gebruiken. My name's Freya and I live in England and I save the planet so the bad guys don't kill us. Takahashi Riho desu, 4 歳です。きれいにするにはお花をいっぱい咲くにいいです。いいと思いますよ。Pour conserver la planète et les et tout l'environnement, j'aimerais que mon père arrête de fumer. Que ma mère aussi et qu'ils arrêtent tous deux de picoler. My name is Iris and I'm 7 and I'm from Hong Kong. To save the planet, don't waste money. Ik probeer de arme mensen genoeg geld en eten te laten krijgen. Dinchichewa alce sungani buino mazi waukondo. Me gustaría que el planeta no estuviera contaminado, haciendo que los coches produzcan menos humo. Vivo en Angola y para preservar el planeta no dejaría las lámparas acesas desnecesariamente. Para proteger la planeta, je voudrais vous dire que les éoliennes, c'est cool parce que ça ne pollue pas, mais ça fait de l'électricité. Dans les maisons, il faut mettre pas beaucoup d'électricité, sinon ça va polluer un peu. Et puis, si la planète est trop polluée, il y a beaucoup de trucs qui risquent de mourir. Donc, il vaudrait mieux pas polluer. Mais il y a beaucoup de gens qui polluent. Moi, je retrouve plein de canettes de Coca-Cola, de trucs comme ça. Thank you for listening to our message.
Ah!
two, three, four, five, six. Aha! We have business as well. Cela m'a véritablement coupé le souffle. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Alors que nous réorganisons la scène, je tiens à vous saluer et à vous accueillir très chaleureusement à cette conférence sur l'éducation pour le développement durable. Apprendre aujourd'hui pour un avenir fiable. Le slogan qui est derrière moi dit, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui pour demain. Mais au risque de vous coincer le cou, je pense qu'il est préférable de vous tourner également vers hier. En effet, nous sommes à la fin d'un cycle de 10 ans, une décennie d'apprentissage au service de la durabilité. Et aujourd'hui, on ressent une certaine urgence, une urgence qui concerne les deux journées à venir, parce que, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a déjà indiqué, le modèle actuel est insoutenable. Ce sont les propos mêmes qu'il a utilisés. Le développement durable est la meilleure chance que nous ayons de rectifier le cap. Et je vois mal comment l'on pourrait trouver des mots plus appropriés pour l'ouverture de cette conférence. À titre personnel, je suis très heureux d'être ici et d'avoir la possibilité de travailler à nouveau avec l'UNESCO. J'ai travaillé à plusieurs reprises avec l'UNESCO, ici, en Chine, en France, et cela a toujours été une excellente expérience en ce qui me concerne. J'espère que vous partagerez le même sentiment au terme de ces deux jours. Avant de passer à autre chose, j'aimerais dire quelques mots à propos de ces danseurs tout à fait fantastiques que nous venons de voir. Ce sont des artistes Kyogen. Le Kyogen, en fait, c'est une forme populaire de comédie médiévale. Et en fait, le Kyogen est l'un des 4 arts théâtraux représentatifs du Japon classique. Et nous venons de voir un des plus grands acteurs du Kyogen, M. Mansal Nomura, un des maîtres, en fait, du Kyogen, qui a accompli pour nous la danse divine qui s'appelle le Sambasso. Cette danse, en fait, c'est une prière pour des récoltes abondantes. C'est une danse qui manifeste la gratitude à l'égard de la nature qui nous nourrit. Et ceci me semble de très bon augure pour cette conférence qui nous attend. Merci donc aux artistes du Kyogen. Donc, vous avez vu ces danseurs. Et maintenant, nous allons laisser tomber le rideau quelques instants, et ce pour des raisons de sécurité. Il nous faut en effet assurer la sécurité de la scène, et je reviendrai dans quelques instants.
as if by magic. Comme par magie, nous avons réalisé les contrôles de sécurité. Et vous pouvez, je vous demande d'accueillir maintenant Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, Son Altesse Royale, la princesse Lalasna du Maroc, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, ainsi que le ministre de l'Éducation. Je vous demande de bien vouloir les accueillir tous les trois. Nous attendons l'arrivée de leurs Altesses impériales. J'ai eu le privilège de rencontrer le prince héritier hier soir et j'ai maintenant le privilège d'accueillir nos hôtes d'honneur. Je vous rappelle que le protocole demande que vous restiez assis. Nous avons le grand plaisir d'accueillir leurs Altesses impériales, le prince héritier et la princesse héritière. Et comme vous avez pu le constater, ils étaient accompagnés de Akabun Shimomura, ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie. Je souhaiterais maintenant donner la parole à Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO. Altesse impériale, Altesse royale, princesse Lalasna du Maroc, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, Monsieur le ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie du Japon, Monsieur le gouverneur de la préfecture d'Aichi, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi que de me trouver aujourd'hui à Aichi, Nagoya. Un voyage culmine et un nouveau voyage commence. Je tiens à remercier le gouvernement du Japon qui a organisé la Conférence mondiale de l'éducation pour le développement durable avec la ville de Nagoya et la préfecture d'Aichi. Je suis profondément reconnaissante à Son Altesse impériale, le prince héritier Naruhito, de son leadership et de son engagement. Je tiens à remercier Son Altesse royale, la princesse Lala Asna, qui nous honore de sa présence aujourd'hui. J'arrive de la ville de Okayama, où le ministre et moi-même avons inauguré ensemble le Forum des jeunes de l'EDD, et où nous avons été les témoins de l'extraordinaire vitalité des participants venus du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes à Nagoya, et je n'imagine pas meilleur endroit pour réfléchir à l'éducation pour le développement durable. C'est une ville qui a plus de 2000 ans d'histoire, une ville riche par sa culture et par son industrie d'avant-garde. L'on associe souvent Nagoya à l'élaboration de la poésie Waka, ce qui me rappelle un poème de l'empereur Meiji. Nous avons l'espoir que tous les océans du monde se rejoignent en paix. Alors, pourquoi les vents et les ondes se soulèvent-ils en une colère enragée? Je crois que nous sommes tous venus à Nagoya aujourd'hui avec ce même souci d'unité face à l'adversité.
Nous partageons tous, je crois, cette même aspiration à la solidarité contre des vents contraires. Les enjeux sont élevés. Partout dans le monde aujourd'hui, de nouveaux défis émergent, insoucieux des frontières ou des lignes politiques. Le coût croissant des catastrophes naturelles, l'impact plus profondément ressenti du changement climatique. La planète est soumise à des pressions et nous avons atteint les limites de ses frontières. Ceci est un appel à l'action. L'action qui est l'esprit qui a guidé la décennie des Nations Unies sur l'éducation pour le développement durable 2005-2014, parrainée par le Japon et dont l'UNESCO a été le chef de file. Le message essentiel de la décennie des Nations Unies fait écho aux premières lignes de l'acte constitutif de l'UNESCO. Ériger les fondations d'une paix durable et d'un développement durable doit être quelque chose qui commence dans l'esprit des hommes et des femmes. Et tout commence par l'éducation. L'éducation établit un lien entre les dimensions sociales, économiques, environnementales du développement durable. La durabilité exige un changement dans nos modes de production et de consommation. La durabilité exige une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle conception de nos responsabilités mutuelles et envers la planète, de nouveaux comportements en tant que citoyens du monde. C'est pourquoi l'éducation est le fondement de la durabilité. Dans la mesure où elle peut façonner les valeurs, les compétences, les connaissances nouvelles qui nous sont nécessaires pour ce siècle nouveau. Il nous faut construire des économies vertes, il nous faut aussi des sociétés vertes. Il nous faut élaborer des lois et des règlements verts et il nous faut aussi des citoyens verts. Ces idées ont des racines profondes au Japon. Ce Japon qui a parrainé et qui a contribué à conduire la DEDD. Et si nous sommes à Nagoya aujourd'hui, c'est pour faire le bilan de 10 années d'action. Les réalisations, en fait, chacun d'entre nous peut les constater. Un nombre de plus en plus important de gouvernements ont intégré les stratégies, les outils, les objectifs de l'éducation dans leur politique nationale de développement durable. La conférence à mi-parcours de la décennie qui s'est tenue à Bonn en Allemagne a donné un élan nouveau et a contribué à accélérer le mouvement. Grâce au programme EcoSchool, plus de 14 millions d'élèves et 1 200 000 enseignants de 58 pays participent à un apprentissage pour le développement durable orienté vers l'action. Au Brésil, l'initiative Graines de printemps a touché 12 700 étudiants à Osasco en 2012, faisant de ces étudiants et de ces élèves des agents du changement dans leur vie, leurs écoles et leurs communautés. De par le monde, plus de 550 écoles de commerce ont signé les principes d'éducation à la gestion responsable élaborés par le Pacte mondial des Nations Unies. Le Maroc a placé l'éducation au développement durable au cœur de l'apprentissage et le développement d'écoles plus vertes. Je tiens d'ailleurs à reconnaître l'engagement personnel et le dynamisme de son Altesse royale, la princesse Lala Asna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Fondation qui participe et qui dirige un si grand nombre d'initiatives novatrices. L'éducation en vue de développement durable a acquis une reconnaissance internationale. Les États ont souligné son importance lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio de Janeiro, Brésil, en 2012. Cette année, le groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable a justement proposé que l'éducation en vue du développement durable soit intégrée dans l'objectif proposé pour l'éducation
à savoir assurer une éducation et un apprentissage de qualité, inclusif et équitable tout au long de la vie, en droite ligne avec l'accord de Mascate, adopté lors de la réunion de l'UNESCO sur l'éducation pour tous à Oman cette année. La déclaration de Samoa, adoptée lors de la troisième conférence internationale sur les petits États insulaires en développement en septembre cette année 2014, réaffirme aussi l'importance de l'éducation de qualité pour le développement durable. Le tout premier institut de l'UNESCO en Asie, l'Institut Mahatma Gandhi pour l'éducation à la paix et au développement durable, inauguré en 2012, travaille précisément sur ces sujets. Un mouvement est en marche, qui s'est amplifié durant toutes les décennies des Nations Unies, et nous devons accélérer le rythme pour aider le gouvernement en vue des échéances qui approchent en 2014. L'adoption du nouvel agenda mondial de développement durable après 2015, la conférence COP21 sur le climat qui se tiendra l'année prochaine à Paris et dont l'UNESCO est un partenaire actif, la conférence à Lima cette année qui va dessiner le chemin vers COP21. La conférence mondiale d'Aichi Nagoya va nourrir le Forum mondial sur l'éducation qui se tiendra à Incheon, en République de Corée, en 2015 et qui doit être un tremplin vers les politiques d'éducation du futur. Voilà, mesdames et messieurs, l'enjeu du Programme mondial d'action pour l'éducation en vue de développement durable. Construire une éducation adaptée aux enjeux du XXIe siècle, qui répondent aux besoins de la société civile. C'est un projet fondamentalement humaniste, et pour réussir, nous devons compter sur le soutien de tous les partenaires, du secteur privé et gouvernement, et la présence de tant de ministres, d'experts, de jeunes leaders est un signe d'unité. Un signe d'encouragement et, je dirais, un appel à se mobiliser. Je vous remercie pour votre attention. Thank you. Madame Bokova, merci. Vous n'auriez pu résumer de façon plus claire le slogan en parlant d'un voyage qui culmine et d'un nouveau voyage qui commence et en parlant des enjeux si élevés. Je crois que cela a bien établi le contexte et a réaffirmé l'importance des deux jours à venir. Alors, je vous demande une fois encore de bien vouloir rester assis alors que le prince héritier s'apprête à prendre la parole. Madame Bokova, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux que cette conférence mondiale de l'UNESCO se tienne en présence d'un si grand nombre de participants venus du monde entier. La croissance économique et la croissance démographique que nous constatons aujourd'hui de par le monde s'accompagne d'un changement climatique, d'une perte de biodiversité, d'une dégradation des ressources naturelles, d'un accroissement de la pauvreté et d'autres problèmes. Pour nos enfants et pour nos petits-enfants, il est important que nous réalisions trois missions. Protéger l'environnement de la Terre qui assurera l'abondance de la vie.
Il s'agit également de protéger comme un trésor les ressources limitées de la Terre et il s'agit également de réaliser un développement durable. Alors, si nous voulons accomplir ces trois objectifs, il est indispensable que l'humanité fasse tout en son pouvoir en appliquant toute sa sagesse à unifier nos capacités, ses capacités. Dans ces conditions, la conférence des Nations Unies sur le développement durable s'est tenue à Rio de Janeiro en juin 2012, 20 ans après le sommet de Rio de 1992. Les 188 pays participant à la conférence ont adopté à cette occasion une déclaration intitulée « Le futur que nous voulons ». C'est un défi pour chacun d'entre nous. En effet, il s'agit de décider des actions à entreprendre pour assurer le futur durable que nous voulons, l'avenir durable que nous voulons. Pour réaliser ce développement durable, il faut que chacun d'entre nous prenne conscience du fait que nous n'existons que par rapport à tous ceux qui vivent dans le monde, par rapport à tous les autres, par rapport aux générations futures, par rapport à notre environnement naturel. Et il nous faut donc tenir compte de tous ces problèmes mondiaux dans une perspective internationale accrue. Pour ma part, je suis convaincue que l'éducation est précisément à la base de tout cela. Je pense qu'au cours des 10 années, donc de cette décennie pour le développement durable, partout dans le monde, tout un chacun s'est intéressé à l'EDD et a œuvré en faveur de l'EDD à sa manière. Il est intéressant de constater qu'au cours des dernières années de cette décennie, la conférence mondiale de l'UNESCO se tienne à Nagoya, ici au Japon. C'est la fin, en fait, de cette décennie. Et d'ailleurs, c'est le Japon qui a été à l'origine de la proposition relative à cette décennie. L'on m'a dit également que avant cette conférence sur le DD, des élèves de lycée et d'autres jeunes du monde entier se sont réunis à Okayama pour avoir un débat honnête et animé sur le DD. Nous attendons beaucoup de ces jeunes ainsi que d'autres jeunes qui permettront de mettre en œuvre des sociétés durables pour l'avenir de notre monde. Enfin, je tiens à rendre hommage à tous les organisateurs de cette conférence qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour cette conférence, pour que cette conférence puisse se tenir. J'espère très sincèrement qu'il y aura au cours de ces deux jours des débats actifs, animés, et j'espère également que des efforts concrets seront réalisés dans le domaine de l'éducation et qu'ils constitueront le résultat de cette conférence, et ce pour assurer un avenir plus durable à notre monde. Je vous remercie infiniment. And thank you very much, Crown Prince. Merci, Altesse, de ces mots. Je crois que chacun d'entre nous doit effectivement, personnellement, assurer la responsabilité en la matière. Je vais maintenant donner la parole au ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie. Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur pour moi
aujourd'hui en présence de son Altesse impériale, de leurs Altesses impériales, le prince et la princesse héritière, ainsi que de son Altesse royale, la princesse Lala Hasna. C'est un énorme plaisir pour moi que de voir dans la salle autant de participants à cette conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable. Au nom des organisateurs, en tant que ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie du Japon, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue, ainsi que vous remercier de votre présence à cette importante manifestation. Comme vous le savez sans doute, la décennie des Nations Unies pour l'éducation au développement durable trouve ses origines dans le sommet de Johannesburg de 2002. À ce sommet, le premier ministre japonais de l'époque, M. Junichiro Koizumi, avait proposé cette idée d'éducation au développement durable. Une résolution pour la décennie pour l'éducation au développement durable fut ensuite adoptée à la 57e Assemblée générale des Nations Unies. Depuis lors, le Japon a défendu l'EDD à l'échelle internationale par le biais de notre soutien à l'UNESCO. Et je suis ravie de pouvoir vous dire que l'EDD a pris racine aujourd'hui partout dans le monde. L'EDD fait également l'objet d'une promotion active au Japon. Nous avons inclus les concepts de l'EDD dans le plan du gouvernement pour la promotion de l'éducation, ainsi que dans les orientations du cursus MEXT pour les écoles. De plus, au Japon, nous avons 807 écoles associées de l'UNESCO. Il s'agit du plus grand nombre d'écoles associées dans le monde. Et ces écoles sont point focal pour les diverses activités liées à l'EDD à l'échelle locale. Aujourd'hui, nous rencontrons un grand nombre de difficultés à l'échelle mondiale. Au mois de septembre de cette année, s'est tenu le sommet des Nations Unies sur le climat. À ce sommet, la volonté politique des nations de bâtir de nouveaux cadres pour la lutte contre le changement climatique a été confirmée. En d'autres termes, une dynamique forte a été bâtie à travers le monde pour surmonter ce problème. Au Japon, nous réalisons des efforts considérables pour refléter nos préoccupations en matière d'environnement dans le monde. L'un des exemples est la production commerciale du Japon de voitures à cellules combustibles. Nous sommes l'un des premiers dans le monde. Dans ce contexte, je suis persuadée que nous devons travailler à la poursuite de la promotion de l'EDD afin de pouvoir faire un nouveau début. De plus, pour le Japon, 2020 sera l'année des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Ces Jeux olympiques permettront de tracer la voie future pour notre pays. Et je suis persuadée que 2020 sera un moment crucial dans l'histoire du Japon. Nous avons démontré nos préoccupations pour l'environnement dans l'organisation de ces Jeux olympiques. Et je voudrais encourager toute la jeunesse à prendre confiance, à réaliser des actions positives pour résoudre des problèmes mondiaux en commençant par ceux qui affectent l'environnement. Et je suis persuadée que l'EDD est la clé pour cela. Je crois pouvoir dire avec fierté
que le Japon est l'un des pays qui réalise les efforts les plus positifs en matière d'EDD. Nous souhaitons continuer à étendre et à augmenter ces efforts au Japon, ainsi que poursuivre la promotion de l'EDD à travers toute la communauté internationale. Je voudrais maintenant vous annoncer une nouvelle initiative du Japon. Nous avons proposé l'établissement d'un nouveau prix, le prix UNESCO Japon pour l'EDD. Il s'agit de récompenser les efforts considérables et remarquables en matière d'EDD à travers le monde. Le Conseil exécutif de l'UNESCO a d'ores et déjà donné son approbation. Nous espérons que ce prix permettra de motiver les praticiens de l'EDD dans le monde pour réaliser de nouvelles avancées en matière d'EDD. Les préparations pour cette conférence mondiale sur l'EDD ont été réalisées en étroite coopération entre l'UNESCO, la préfecture d'Aichi ainsi que les villes de Nagoya et Okayama. Diverses manifestations culturelles fort intéressantes ont également été prévues. Je suis persuadée que durant la période de cette conférence, vous passerez des moments remarquables et utiles. Enfin, j'espère que les travaux de cette conférence porteront leurs fruits et que les résultats seront partagés dans toute la communauté internationale et permettront de faire progresser l'EDD dans le monde. Je vous remercie. Minister, thank you. Monsieur le ministre, merci infiniment et merci de cette annonce d'une nouvelle initiative que nous venons d'entendre, l'établissement d'un nouveau prix, le prix UNESCO Japon, pour récompenser les efforts en matière d'EDD à travers le monde. Nous allons maintenant passer à notre hôte ici à Nagoya, M. Hideaki Omura, le gouverneur de la préfecture d'Aichi. Her Royal Highness Princess Lala Hasna. Altesse Royale, Princesse Lala Hasna du Maroc. Madame Irina Bokova, Directrice Générale de l'UNESCO. Ministre, représentant des États membres et à l'ensemble des participants, soyez tous les bienvenus ici à Nagoya, en présence de leurs Altesses Impériales, le Prince et la Princesse Héritière du Japon. C'est un très grand honneur pour nous d'accueillir ici à Aichi, Nagoya, cette conférence mondiale pour l'EDD. Nous avons en 2005 tenu une exposition mondiale sur le thème de la sagesse de la nature et il s'agissait de l'année où la décennie des Nations Unies pour l'EDD a commencé. Pour la toute première fois dans l'histoire des expositions universelles, nous avons vu un thème lié à l'environnement, un message envoyé au reste du monde sur le moyen dont les êtres humains doivent vivre en harmonie avec la nature. En 2010, le COP10 s'est tenu ici, dans cette même salle de conférence et les objectifs de biodiversité d'Aichi ont été adoptés en tant que feuille de route mondiale pour la préservation de la biodiversité pour la période 2010 à 2020. Pour transmettre ces accomplissements à l'avenir et atteindre une société viable, nous avons annoncé l'invitation à cette conférence en 2011 et depuis lors, un grand nombre de personnes ont contribué
à sa préparation. Le DD est fondamental non seulement pour résoudre des questions auxquelles le monde entier fait face, mais également pour bâtir les communautés locales. C'est toute notre région qui s'est impliquée dans le DD. En particulier, nous nous sommes concentrés sur la formation des personnes qui représentent les efforts de la prochaine génération en étendant le réseau des écoles associées de l'UNESCO. Et ces efforts d'Aichi Nagoya méritent toute notre attention. Aichi Nagoya a le plus grand nombre d'industries au Japon, notamment pour ce qui est des industries de l'automobile et de l'aérospatiale. Nous avons également une industrie agricole florissante et sommes l'un des principaux producteurs de fleurs du Japon. Et c'est pourquoi nous vous avons accueillis ici avec ces fleurs qui ont été produites dans notre région. Cette région est également le lieu de naissance de Nobunaga, Hideyoshi et Ieyasu, les trois héros samouraïs qui ont unifié le Japon au XVIe siècle et disposent d'un grand nombre de sites historiques tels que le château de Nagoya. Et vous avez eu le plaisir de voir ce château, ainsi que le château du trésor national d'Inuyama. Nous avons également des cultures traditionnelles, telles que les chars de festival d'Aichi et les marionnettes mécaniques Karakuri. Des présentations de des attractions de Aichi Nagoya sont disponibles dans le hall des expositions. De plus, nous avons prévu plusieurs excursions qui vous permettront également de mieux connaître notre région et une réception de bienvenue aura lieu à ce centre de congrès ce soir même. J'espère que vous pourrez profiter de notre hospitalité et demeurer parmi nous. Pour conclure, je voudrais exprimer toute mon appréciation à l'ensemble des représentants de l'UNESCO et du gouvernement du Japon qui ont consacré tant de temps et d'efforts à la préparation de cette conférence. Et enfin, je voudrais souhaiter plein succès à cette conférence et au progrès futur de l'EDD à l'avenir. Je vous remercie. Thank you very much. Merci infiniment, Monsieur le Gouverneur, et merci pour toutes ces fleurs que vous avez fait pousser ici. Ces fleurs qui sont tout à fait magnifiques, elles sont tout à fait extraordinaires, et cette réception de ce soir sera également un moment extraordinaire, je n'en doute pas. Le moment est venu pour leurs Altesses impériales de nous quitter. Une fois de plus, je vous demande de rester assis. Mais leurs Altesses vont quitter la scène, mais rester parmi nous quelque temps pour suivre nos travaux. I did mention at the beginning.
Au début de notre journée, j'avais rappelé les sages paroles de Ban Ki-moon sur l'urgence de trouver la voie vers un avenir viable. Et naturellement, il convient également de rappeler les paroles sages de Kofi Annan, qui nous avait dit que le plus grand défi est de prendre une idée qui semble abstraite, et il s'agit du développement durable, et de transformer cette idée en réalité pour le monde. Un grand nombre de personnes dans le monde ne comprennent pas bien le développement durable et le lien qu'il peut avoir en particulier avec l'éducation. Nous allons maintenant entendre un message vidéo de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui sera suivi d'un autre message vidéo de M. Achim Steiner, qui est directeur exécutif du PNUE et sous-secrétaire général des Nations Unies. Nous allons entendre ces deux messages et ensuite nous donnerons la parole à notre orateur principal. Your Imperial Highness, Crown Prince. Altesse impériale, Altesse royale, Excellence, Monsieur Shimomura, ministre de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie. Excellences, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Je voudrais remercier le Japon et l'UNESCO d'avoir organisé cet événement important. La durabilité est le seul moyen pour nous de protéger notre précieuse planète aujourd'hui et demain. Il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. La durabilité doit faire partie de tout ce que nous faisons et l'éducation est le point de départ. Les garçons et les filles doivent apprendre ce qu'est la citoyenneté mondiale pour les préparer à la responsabilité de protéger notre avenir. Ce message commence à passer. Nous l'avons vu dans les marches pour le climat qui ont eu lieu au mois de septembre et au sommet que j'ai organisé à New York. Nous devons poursuivre cette action jusqu'à la conférence des parties pour la Convention sur le changement climatique à Lima, puis à Paris l'an prochain. Cette conférence mondiale est un moment important pour notre avenir, pour mettre en place un programme mondial ambitieux et veiller à ce que les personnes actives dans l'éducation puissent lui donner un grand rôle dans l'agenda PAS 2015. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much for the opportunity. Merci infiniment de me donner cette occasion de m'adresser à vous pour cette conférence qui célèbre la fin de la décennie des Nations Unies pour l'éducation et le développement durable. En tant que membre du comité pour l'éducation et le développement durable, le PNUE est un partenaire de cet effort dont le chef de file est l'UNESCO et qui a été conduit avec l'ensemble du système des Nations Unies et des gouvernements dans le monde pour accorder toute l'attention que mérite l'éducation au développement durable, mais également pour faire le lien entre les intervenants de par le monde pour essayer de tirer les meilleures conclusions sur les démarches qui ont fonctionné, qui peuvent nous aider en matière de développement durable et pour ramener ces idées plus proches des décisions locales. La citation célèbre, quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. Quand j'ai gagné en sagesse, j'ai essayé de me changer moi-même. Je crois que cela en dit beaucoup sur ce que peuvent faire les Nations Unies avec vous, avec nos partenaires du secteur non gouvernemental et du secteur privé. Et c'est ce que nous essayons de faire et avons essayé de faire au cours de cette décennie. Alors que nous allons en avant vers l'avenir pour la suite du programme sur l'éducation et le développement durable, ces travaux vont se poursuivre et la décennie des Nations Unies est donc une fondation pour créer de nouveaux réseaux, de nouveaux liens et pour cibler notre attention au système des Nations Unies et partout dans le monde
sur l'importance de l'éducation au développement durable. Les États membres des Nations Unies sont en pleine négociation pour de nouveaux objectifs de développement et les perspectives futures du développement durable vont nécessairement exiger beaucoup d'investissements, surtout en matière d'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement la connaissance, c'est également l'autonomisation, c'est les moyens pour chacun d'agir sur la base de ses connaissances. Et c'est pourquoi au PNUE, nous avons essayé également de contribuer dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l'éducation et le développement durable par le biais des partenariats universitaires. Nous avons rassemblé plus de 520 universités qui travaillent ensemble sur les cursus et sur l'offre éducative aux universités et aux étudiants de par le monde. C'est un partenariat qui a beaucoup réussi, non seulement pour les universités, mais aussi pour la famille des Nations Unies, en créant plus de liens avec le monde des connaissances, mais aussi des pratiques de l'enseignement et de partage de connaissances. Dans le cadre du PNUE, nous avons également fourni au secrétariat d'autres aspects de l'action qui créent le lien entre le monde de la connaissance et celui de la recherche scientifique. Le programme d'éducation, qui en fait partie, est un grand exemple de la façon dont nous pouvons connecter entre nous les transformations de comportement qui sont exigées de nous tous, une meilleure compréhension des technologies et des pratiques de gestion qui nous permettent d'avoir une empreinte, de diminuer notre empreinte et d'améliorer l'équation de nos économies. Quelques exemples simplement de la contribution du PNUE à la décennie pour le DD, pour essayer d'apporter notre pièce au tableau, pour remplir notre mandat et la mission de cette décennie. Je voudrais maintenant vous souhaiter à tous une excellente conférence au Japon, un pays pionnier dans beaucoup des démarches et de transition vers une empreinte carbone réduite, une économie plus efficiente et une meilleure compréhension de notre environnement naturel et de la biodiversité. Cela fait partie d'un long voyage qu'a entrepris le Japon et c'est donc un endroit idéal pour tenir cette conférence à un moment important pour le DD. Nous voulons féliciter non seulement le Japon, mais également vous tous pour avoir réalisé cette expérience de la décennie et qui nous a tous rassemblés. Comptez sur nous au PNUE pour continuer à travailler avec vous, nos collègues à l'UNESCO et ailleurs au sein des Nations Unies avec les États membres et les autres partenaires au sein de cette décennie. Maintenant, nous devons aller de l'avant dans l'action. Merci. Video messages from Ban Ki-moon. Nous avons entendu ces messages vidéo de M. Ban Ki-moon et de M. Hakim Steiner. Nous allons maintenant entendre notre principal orateur de ce matin. Même si nous sommes à la fin d'une décennie, nous accueillons toujours des idées et des solutions. Et nous nous intéressons à la pertinence de l'EDD pour l'avenir. Pour nous en parler, nous allons entendre Son Altesse Royale la Princesse Lala Asna du Maroc. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Le prince héritier Naruhito. Votre Altesse impériale, la princesse héritière Masako. Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO. Son Excellence Habukun Shimomura, ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports et des Sciences et Technologies du Japon. Monsieur Hideaki Omura, gouverneur de la préfecture d'Aichi. Honorables ministres, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand intérêt et une réelle satisfaction que j'en prends part à cette conférence mondiale organisée par l'UNESCO et le gouvernement japonais.
je voudrais, à cet égard, rendre hommage aux autorités japonaises pour l'accueil chaleureux et l'excellente organisation de cette manifestation internationale. Mes sincères remerciements s'adressent également à Madame la Directrice Générale de l'UNESCO pour m'avoir conviée en tant qu'invitée d'honneur à cette importante rencontre. Mesdames et messieurs, c'est un moment décisif de bilan, d'apprentissage croisé et de remobilisation de tous que nous devons saisir pour faire avancer l'éducation au développement durable en tant que dimension centrale et inéluctable de l'action globale au service de la protection de l'environnement et du développement humain et durable. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement partage l'esprit et les valeurs qui animent la décennie des Nations Unies pour l'éducation au développement durable. Son action s'est inscrite par anticipation dans cette décennie, dès sa création en 2001 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Dotée d'une grande autonomie de moyens et d'action, la fondation que j'ai l'honneur de présider est d'abord l'expression d'une volonté au plus haut niveau de l'État de placer le citoyen au cœur de la stratégie de développement durable du pays. À cet égard, la nouvelle constitution du Maroc consacre très explicitement le droit au développement durable et à un environnement sain. Elle reconnaît également le rôle majeur dévolu à la société civile et aux ONG dans l'encadrement des citoyens et la participation à l'action publique. Penser et agir pour l'environnement dans sa plus large appréhension, c'est prendre conscience que la planète est non seulement un legs précieux, mais une dette lourde que nous devons honorer envers les générations futures. C'est pourquoi ces générations d'avenir sont les cibles principales de l'action de la Fondation Mohamed VI. C'est pour elles et à travers elles que nous travaillons à sensibiliser et éduquer aux valeurs et aux comportements du développement durable. Cette action, la Fondation l'amène d'abord à l'école primaire. Fidèle à sa démarche, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et en fédérant les associations d'enseignants et d'éducateurs, les élus, les ONG locales, ainsi que les opérateurs économiques. La Fondation mise sur l'éclosion d'une nouvelle génération éco-responsable, acquise aux valeurs du développement durable. Dans l'enseignement secondaire, notre action cible l'éveil et la curiosité des jeunes en les amenant à prendre conscience de leurs responsabilités individuelles et collectives vis-à-vis de l'environnement. Notre Fondation est également en train de mettre en place un centre d'éducation au développement durable qui se veut un centre de ressources et de développement de compétences. Nous considérons les médias comme un acteur et un partenaire essentiel, de même que nous accordons un intérêt particulier aux diverses formes de conscientisation et de mobilisation que permettent aujourd'hui les nouvelles technologies d'information et les réseaux sociaux, notamment grâce aux changements d'échelle et des impacts massifs que peuvent avoir nos campagnes. Mesdames et messieurs, l'un des défis majeurs à relever en matière d'éducation au développement durable est celui de la pertinence et de l'efficacité sur le terrain. Pour que nos efforts ne s'arrêtent pas au seul discours, juste et sincère, mais parfois sans effet tangible. Car expliquer les bons gestes ne suffit pas. Il faut en montrer l'exemple sur les terrains et de manière cohérente. Et pour cela, il faut développer une pédagogie active. Dans ce schéma d'éducation par l'exemple, il faut noter que les grands projets nationaux peuvent avoir un effet d'entraînement bénéfique. En témoigne l'exemple de l'ambitieux projet solaire marocain, le plus grand au monde, qui suscite
chez les jeunes écoliers et étudiants, des vocations dans le domaine des technologies propres, des concours d'innovation organisés dans les écoles, des courses de voitures solaires et autres initiatives louables de ce type. Éduquer et agir. Tels sont les deux principaux vecteurs qui vont de pair dans tous les programmes de notre fondation. C'est sur cette base qu'elle fédère et mobilise l'ensemble des composantes de la société autour d'objectifs concrets, à vocation locale, touchant directement le citoyen et comportant une forte dimension éducative, tous pour l'environnement, telle est la devise de la Fondation. Que ce soit pour l'initiative Plage Propre, le Maroc dispose de près de 3600 km de côte. Le projet de sauvegarde de la palmeraie de Marrakech, de la réhabilitation des parcs et jardins historiques du royaume, ou encore de l'amélioration de la qualité de l'air. Notre démarche est systématiquement expliquée de manière concrète et pratique, mettant en exergue les mécanismes de dégradation de notre patrimoine naturel et les moyens de le préserver. C'est ainsi que lors de la préparation du rapport national à destination de Rio plus 20 en 2012, la Fondation a pris l'initiative d'organiser un forum sur la consommation responsable. Ce forum a permis à un échantillon de jeunes lycéens de confronter leurs idées avec des responsables, acteurs associatifs et médias, et de formuler nombre de recommandations pertinentes et pratiques. L'exercice a été réédité l'année suivante à l'occasion de la 7e session du Congrès WIC tenue à Marrakech en 2013, où de jeunes lycéens ont été associés dans le rôle de journalistes citoyens. Enfin, je souhaite rappeler l'importance et le rôle de l'éducation religieuse, qui ne doit pas être exclue de l'effort collectif. Bien au contraire, car elle permet de mobiliser les ressources symboliques du patrimoine immatériel des nations. Par exemple, au service de la sensibilisation à l'économie dans l'usage de la ressource en eau. Il s'agit là d'un canal essentiel à ne pas négliger en matière d'éducation au développement durable. Mesdames et messieurs, beaucoup reste à faire en matière d'éducation au service du développement durable. Chacun est appelé selon son statut et ses moyens à y apporter sa contribution, aussi modeste soit-elle, avec persévérance et dans le cadre d'une cohérence globale. Travailler à cette cohérence globale et se donner les moyens de réussir, voilà le double défi qui se pose à nous pour la décennie à venir, où de nouveaux objectifs sont proposés dans l'agenda post-2015 des Nations Unies. Je tiens à saluer ici le leadership de l'UNESCO en matière d'éducation au développement durable et à féliciter l'ensemble des parties prenantes pour les plateformes d'action proposées. Cette éthique de cohérence s'impose à tous, au nord comme au sud, aussi bien à l'échelle des pays que dans les enceintes internationales. Elle s'impose au même titre que l'exigence de pertinence et d'efficacité qui manque parfois à de nombreuses actions, en dépit de la bonne volonté qui anime leurs porteurs. L'éducation au développement durable est à la fois une tâche exaltante et un combat de longue haleine, car elle vise les mentalités et cherche à modifier les réflexes et les comportements à l'échelle de nos sociétés. Une tâche qui appelle un élan soutenu, transgénérationnel, à la hauteur de l'ambition de voir émerger une citoyenneté mondiale, avertie, engagée et responsable vis-à-vis de son propre avenir. Je vous remercie. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Que la paix et le salut de Dieu soient sur vous.
Thank you very much, Her Royal Highness, for that. Merci infiniment, Altesse Royale, de ce discours qui montre bien toute l'importance que revêt l'éco-responsabilité pour célébrer cette décennie et pour marquer le lancement du rapport final de la décennie. Je vous demande d'accueillir Monsieur Qian Tang, sous-directeur général de l'UNESCO pour l'éducation. Monsieur Tang. Altesse impériale, prince héritier et princesse héritière du Japon. Altesse royale, princesse Lala Asna du Maroc. Monsieur le ministre de l'Éducation, des Sports, de la Science et de la Technologie du Japon, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui au terme de cette décennie des Nations Unies de l'éducation au développement durable. Cela fait 10 ans maintenant que les parties prenantes partout dans le monde ont fait des efforts considérables pour intégrer le développement durable à l'éducation et à l'apprentissage, pour que chacun dispose des connaissances, des compétences et des valeurs nécessaires qui lui permettront de contribuer au développement durable. Alors que nous célébrons les réalisations de la décennie, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi que de lancer ici aujourd'hui le rapport final de la décennie. Ce rapport final va être mis à votre disposition sous forme papier et sous forme électronique. Et il examine la mise en œuvre de la décennie, ses résultats à tous les niveaux, dans tous les domaines de l'éducation, depuis la protection et l'éducation de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, en passant par l'éducation primaire et secondaire, l'éducation technique et professionnelle et l'éducation non formelle. Un certain nombre d'outils quantitatifs et qualitatifs ont été utilisés pour l'élaboration de ce rapport. Les États membres et d'autres parties prenantes ont très largement contribué au processus de collecte des données en répondant aux questionnaires de suivi et d'évaluation de l'UNESCO et en participant aux consultations tenues par l'UNESCO en 2013 dans toutes les régions du monde. Un certain nombre de documents d'information ont été réalisés pour compléter et renforcer l'information produite par les questionnaires et les consultations régionales. L'UNESCO a également examiné les documents produits tout au long de la décennie, ainsi que les études et les rapports préparés par d'autres. Enfin, un processus d'examen par les pairs a eu lieu. Il y a 2 conclusions principales que l'on peut tirer, je crois, dans ce rapport. La première conclusion, c'est que des progrès clairs et démontrables ont été réalisés tout au long de la décennie. L'EDD a été intégré dans les politiques d'éducation et de développement durable, dans les programmes d'éducation, et ce, à tous les niveaux. Les cadres et les outils de l'EDD ont été éprouvés, des partenariats, des réseaux ont été construits et l'on a pu renforcer les capacités en matière d'EDD. Ces progrès, ils sont le résultat de 10 années de dévouement de la part de tous les acteurs qui ont jeté les bases grâce à l'éducation et à l'apprentissage du développement durable et des progrès du développement durable.
La seconde conclusion que l'on peut tirer de la décennie, c'est que bien que les résultats de cette décennie soient extrêmement prometteurs, il reste encore beaucoup à faire. Il est donc nécessaire d'intensifier nos efforts, ce qui exigera un leadership fort, ce qui est un des éléments les plus importants si l'on veut maintenir les résultats acquis et les faire avancer. De façon plus concrète, le rapport fait état de 10 résultats clés après ces 10 années d'action. Vous le verrez d'ailleurs dans un film qui va vous être présenté dans quelques instants. Les conclusions du rapport serviront de base au travail qui doit maintenant être entrepris. Il nous faut intensifier notre action dans les années à venir dans le cadre du programme d'action globale entériné par les États membres de la Conférence générale de l'UNESCO comme suivi de cette décennie. Ce programme d'action globale poursuivra donc les objectifs de la décennie afin de surmonter les défis identifiés dans le rapport final. Il est clair, Excellences, Mesdames, Messieurs, qu'il nous faut un monde plus équitable, plus pacifique, plus sûr du point de vue de l'environnement, pour nos générations, pour notre génération et pour les générations futures. La meilleure façon d'y parvenir, c'est de permettre aux uns et aux autres d'agir de façon différente et plus responsable. L'éducation est cruciale de ce point de vue. J'appelle maintenant votre attention sur ce bref film qui va vous montrer quelles sont les 10 conclusions principales qui figurent dans le rapport final de la décennie, forger l'avenir que nous voulons. Through the United Nations Decade of Education for Sustainable Development, the following key findings are based on evidence emerging from 10 years' work around the world. 1. Education systems are addressing sustainability issues. Across many countries, a strong trend can now be seen to make education more relevant to the social, environmental, and economic challenges that the world faces today and in the future. 2. Sustainable development agendas and education agendas are converging. Stakeholders for sustainable development are increasingly taking up education, public awareness, and training to advance sustainable development. 3. Political leadership has proven instrumental. Political leadership has helped to create the organizational climate necessary for change. As a result, important advances have been made to put national ESD strategies or plans in place, contributing to the integration of ESD into national education and sustainable development policies. 4. Multi-stakeholder partnerships are particularly effective. The UN decade has helped to reinforce the importance of partnerships and collaboration among stakeholders. Interactions among the growing networks of universities investing in ESD in Africa, Latin America, and elsewhere have led to international commitments and peer support for ESD. Five, local commitments are growing. The implementation of ESD now includes unique features that relate to the local context. 6. Whole institution approaches practice ESD. Whole institution approaches are increasing and are helping learners to contribute to sustainable development in their schools or institutions, communities and workplaces. 7. ESD facilitates interactive learner-driven pedagogies. Participatory learning processes, critical thinking, and problem-based learning are proving particularly conducive to ESD. Educators at all levels are central to this. 8. ESD is being integrated into formal education. There is growing recognition among policymakers that early childhood care and education is the foundation of sustainable development. In primary and secondary education, evidence of increasing policy attention to and integration of ESD is especially strong.
The last 10 years have also seen higher education stepping up its efforts towards sustainable development. 9. Non-formal and informal ESD is increasing. In the daily lives of communities, families, and individuals, awareness of environment and sustainable development issues is reported to have improved in many countries. 10. Technical and vocational education and training advances sustainable development. International sustainable development policy and planning and technical and vocational education and training policy and planning are now aligning in the green economy and green skills agenda, leading to new research and capacity building efforts. Despite the successes of the decade of education for sustainable development, challenges remain in realizing the full potential of ESD. These include the need for further alignment of education and sustainable development sectors, the need to do more work for institutionalizing ESD, and finally, the need for more research, innovation, monitoring, and evaluation. The United Nations decade has left a deep mark. It has not only raised awareness, but catalyzed innovation across the board, from national education strategies to classroom practices, through to university curricula, and community and business engagement. And this is what we must now build on. While there are challenges ahead, the solid foundation developed during the UN decade supports an exciting range of global to local responses to help sustain momentum on ESD into the future. Well, thank you, Mr. Tang. Monsieur Tang, merci. Et merci de cette excellente vidéo. Ces 10 principaux résultats sont absolument essentiels en ce qui nous concerne. Et ce que nous faisons, Madame Bokova l'a déjà dit, c'est un peu faire le bilan à ce stade des résultats accomplis. Ce qui nous amène d'ailleurs au panel sur les résultats et les défis de l'EDD. Je vais donc demander aux membres du panel de se rendre sur la scène. Il s'agit de Madame Bokova, directrice générale de l'UNESCO, de Madame Matsi Angelina Mocheka, ministre de l'éducation de base d'Afrique du Sud, pays très engagé vis-à-vis de l'EDD, Suzanne Hopgood, présidente de Éducation internationale. Il s'agit d'une organisation qui représente des organisations d'enseignants partout dans le monde. Elle est également secrétaire fédérale de l'Association des professeurs d'Australie. Nous allons également accueillir M. Tariq Al-Aina du Bahreïn, l'un des 51 jeunes retenus parmi les 5000 candidats pour participer à la conférence des jeunes de l'UNESCO qui s'est tenue à Okayama. Merci à tous de votre présence parmi nous aujourd'hui. Je crois que il nous faut répondre à la première question qui va d'ailleurs être adressée à Madame Bokova, qui ce matin a déjà lancé un appel à l'action. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, Madame Bokova, c'est quels sont pour vous les principaux résultats et les plus grandes réussites de la DEDD ? Bien, je crois que le rapport qui vient de nous être présenté est un bon bilan, dans la mesure où il soumet les principales conclusions de cette décennie, les 10 principaux résultats. Je dirais qu'elle nous a donné, offert la possibilité incroyable de forger des partenariats, d'établir des contacts avec des organisations internationales au sein du système des Nations Unies. Nous avons entendu notre collègue Dupnuel, le secrétaire général des Nations Unies. Éducation internationale est présente également, c'est la principale association d'enseignants. Je dirais que l'une des principales conclusions, c'est
la façon novatrice dont on a pu aborder les systèmes d'enseignement, on a modifié les programmes d'enseignement. Il y a un certain nombre d'exemples que l'on pourrait donner, mais je vous donnerai celui de la Finlande qui a introduit la notion de durabilité dans les programmes d'éducation. Au Canada également, des centaines de milliers d'écoles ont participé à la décennie. Vous avez entendu ce qui était fait au Maroc, c'est un excellent exemple d'introduction dans les programmes de formation des enseignants de l'éco-responsabilité. Donc il y a eu toute une mobilisation de par le monde autour de l'EDD. Il s'est agi véritablement d'intégrer les trois principaux piliers de la durabilité, environnement, social, économie, environnement du moins, aspects sociaux, aspects économiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs cette décennie est si importante. Alors, je vous poserai la même question, Madame la Ministre, mais avant de poser des questions, est-ce que vous considérez qu'il y a eu des échecs également? Écoutez, je ne parlerai pas d'échecs, je parlerai plutôt de défis. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de défis, d'où d'ailleurs ce plan d'action global. Et je dirais que l'un des principaux défis qui se pose aujourd'hui, c'est le lien entre politique de développement durable et politique d'éducation. La ministre va certainement vous en parler. Il y a d'ailleurs beaucoup de ministres de l'éducation qui sont confrontés à ce défi et qui sont d'ailleurs présents dans la salle. Alors, les choses ont évolué. Il y a beaucoup d'exemples positifs à citer, mais il faut bien reconnaître que nous n'en sommes qu'au début du chemin, chemin très important. Il y a quelque chose également qui est dit dans le rapport et qui me semble très important. Il faut absolument institutionnaliser l'éducation au développement durable et l'intégrer dans les systèmes sous tous ses aspects. Alors, que l'on parle d'enseignement primaire, qu'il s'agisse d'université, il est très important également d'intégrer cela dans l'enseignement technique et professionnel. Et donc, les systèmes éducatifs ont une responsabilité très importante en la matière. Et puis, il y a également toute la question de l'agenda du développement post-2015. Mais l'éducation au développement durable a besoin de davantage des suivis et d'évaluations. Pour l'instant, il n'y a pas tellement de rapports. Il n'y a pas non plus suffisamment de critères quantitatifs et qualitatifs qui nous permettraient de mesurer toutes ces réalisations. Alors, on parle de révolution des données, on évoque bien la nécessité de disposer de données qui nous permettraient de voir ce qui se passe à tous les niveaux, international, régional, national, local. Mais pour cela, il nous faut encore réfléchir à la façon de mesurer les progrès. Cela est absolument essentiel. Oui, l'évaluation, c'est certainement quelque chose de très difficile dans la mesure où il s'agit de choses extrêmement nouvelles et novatrices. Madame la ministre, quelles sont pour vous les principales réussites de cette décennie? Je pense que votre micro est contrôlé à distance et que vous ne devriez pas avoir de problème. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le rapport qui vient de nous être présenté correspond à ce que nous avons constaté chez nous. Il s'agit d'intégrer les principes de l'éducation au développement durable dans les programmes de formation. Il s'agit également de bien mesurer nos responsabilités vis-à-vis des générations futures en leur transmettant un monde meilleur que celui que nous avons reçu et donner un sentiment d'appropriation aux jeunes. Mais il faut aussi, je le pense, aller au-delà de l'éducation et de la sensibilisation à l'environnement en prenant conscience de la nécessité d'une véritable éducation au développement durable. Il faut que les jeunes prennent conscience de ces difficultés.
parfois, les gouvernements ont des difficultés en matière d'environnement et il est important qu'il y ait des jeunes qui militent en faveur du développement durable, en faveur de l'environnement. Et ceci pousse les gouvernements finalement à agir dans le bon sens. Je crois que la princesse royale a parlé de ces générations éco-responsables et je crois qu'il y a tout un message à faire passer en ce sens. J'aimerais vous poser la même question. Quelles sont les principales réussites de la décennie? Clairement, cette décennie est un succès dans la mesure où elle a sensibilisé le monde, en fait, et où elle a entraîné des changements au niveau de l'éducation. On pourrait citer un grand nombre d'exemples. La décision des États membres des Nations Unies lors de Rio+20 de promouvoir l'éducation au développement durable. Le fait également que l'éducation au développement durable a été prise en compte dans les recommandations du groupe de travail ouvert. L'accord de Mascate de l'UNESCO, on peut citer également un autre exemple, le fait que le secrétaire général ait pris cette initiative mondiale qui constitue un élément clé désormais. Donc clairement, les choses ont évolué au plan mondial, avec bien sûr un impact sur les gouvernements, sur les systèmes éducatifs. Et éducation internationale, vous le savez, a toujours encouragé une vision plus audacieuse de l'éducation, fondée sur un enseignement de qualité, sur des outils de qualité, sur un environnement de qualité. Et je dirais que la décennie nous a beaucoup aidé à promouvoir cette notion de qualité. Alors, pour ce qui est des écoles, il apparaît que les enseignants un peu partout dans le monde s'investissent dans l'éducation au développement durable et l'intègrent. Les gouvernements également s'efforcent d'inclure le développement durable dans les programmes d'éducation. Donc des progrès importants ont été accomplis. Et vous trouvez que c'est un message facile à faire passer auprès des jeunes? Oui, clairement. Dans la mesure où les jeunes sont tout à fait conscients de l'importance du développement durable et les jeunes considèrent qu'il nous faut travailler en faveur d'un monde qui vive dans la paix, c'est quelque chose d'instinctif pour les jeunes. Et je crois qu'instinctivement également, les enseignants veulent travailler avec les jeunes et les communautés parce qu'ils reconnaissent cet enthousiasme, effectivement. Maintenant, est-ce que vous souhaitez que je vous parle des défis plus tard, peut-être, parce que je souhaiterais que Tariq nous dise ce qu'il pense. Tariq, c'est un jeune homme, mais j'aimerais savoir ce qu'il pense de ces 10 dernières années. Bien, la conférence, le forum des jeunes s'est achevé dimanche et nous avons travaillé de façon incroyable sur ces questions. Alors, j'aimerais vous parler de cette décennie. À l'époque, parmi les jeunes qui étaient concernés, nous avions un jeune de 5 ans et le plus âgé avait 25 ans. À l'époque, les choses commençaient à peine et dans les salles de classe, on commençait à peine à parler d'éducation, développement durable. Et je dirais que je crois que l'une des réussites les plus importantes de cette décennie, c'est cet enthousiasme des jeunes et cette émergence de leaders chez les jeunes en faveur du développement durable qui ont vraiment beaucoup poussé à la roue, si je puis dire. Bon, maintenant, j'aimerais revenir un petit peu sur cette question dans quelques instants. Mais Tariq,
J'aimerais que vous nous disiez quels sont pour vous les principaux défis, voire les obstacles au développement durable. Bien, je dirais que les jeunes sont décidés à agir, mais nous ne pouvons pas agir seuls. Et il y a un manque peut-être de reconnaissance institutionnelle, un manque de soutien de la part des partenaires. Et nous ne sommes peut-être pas considérés comme des partenaires à part égale. Et il y a beaucoup de gens qui sont les leaders de demain, mais il faut davantage de coopération. Nous n'allons pas diriger tout seul. Je pense qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Or, lorsque nous pensons aux politiques, bien, nous ne sommes pas considérés comme des partenaires à part entière. Suzanne, vous vouliez nous parler des défis. Oui, mais j'aimerais un petit peu rebondir sur ce que vient de dire Tariq. Il est très important que les générations puissent travailler ensemble parce qu'il y a des programmes qui fonctionnent très bien, des programmes institutionnels où les enseignants travaillent avec les élèves, avec les parents, avec les directeurs d'établissement. Mais à propos de défis, je voudrais dire qu'à mon sens, le défi le plus important tient au fait que les gouvernements ne font pas assez en matière d'éducation, ce qui va finalement à l'encontre de leurs intérêts. Et si l'on a une conception trop étroite de l'éducation, si l'on veut encourager les examens, la concurrence, la compétition entre les élèves, il devient très difficile aux enseignants d'introduire une éducation de qualité et l'éducation au développement durable dans leur enseignement. Il est important également de pouvoir renforcer les capacités tant des enseignants que des éducateurs. Si l'on veut qu'ils abordent avec confiance cette question de l'éducation au développement durable. Et je ne pense pas simplement aux professeurs qui s'occupent d'environnement. Il faut que tous les enseignants puissent intégrer l'EDD dans leur travail. Et pour ce faire, eh bien, il faut que on les aide dans ce domaine. Et je pense qu'un certain nombre d'enseignants ont l'impression qu'ils n'ont pas les moyens pour l'instant d'intégrer l'éducation au développement durable. Ils aimeraient pouvoir le faire, mais ils ont l'impression de ne pas avoir les capacités suffisantes, faute d'avoir eu la formation suffisante. Donc, je crois que le renforcement des capacités est tout à fait au cœur du problème. Donc, la formation, pour vous, c'est fondamental. Madame la directrice générale, vous aviez commencé par nous parler des défis ou des obstacles. Est-ce que vous souhaitez nous en dire plus sur ces défis? Eh bien, je voudrais dire que j'étais présente au forum des jeunes l'autre jour et hier j'ai pu tenir quelques discussions avec les jeunes et je crois que ce que notre jeune ami nous a dit est tout à fait fondamental. Je crois, et nous disons, c'est vrai, souvent aux jeunes, vous êtes les dirigeants de demain. Et je crois qu'en termes de développement durable et lorsqu'on parle de l'EDD, le plus important, le plus fondamental, c'est que nous avons véritablement besoin de l'engagement des citoyens. Nous avons véritablement besoin d'autre chose que cet enseignement formel. Et c'est pourquoi mon message, c'est n'attendez pas que quelqu'un vous dise comment faire. Commencez à agir maintenant, aujourd'hui. Et nous le disons fortement, la durabilité, ce n'est pas uniquement une économie verte, c'est aussi une société verte. Et une société verte est mise en place par les gouvernements, par le secteur privé. Bien sûr, cela fait partie de leur responsabilité, comme pour l'économie verte, mais aussi par la société civile. Et je crois que les jeunes sont particulièrement sensibles à ces questions d'environnement. Nous l'avons vu ici également au début, à ces idées du vivre ensemble, de la tolérance, de la compréhension pour notre avenir. Et ce dialogue intergénérationnel, cette interaction, cette coopération est tout à fait critique pour le développement durable. Donc, pour une fois, ce sont les élèves qui apprennent aux enseignants.
Il y a tellement d'initiatives et d'innovations qui viennent des jeunes et je crois que les enseignants sont effectivement réceptifs à ces échanges. Ce n'est pas simplement l'enseignement classique et traditionnel où nous vous disons quoi faire. Nous devons tous réfléchir à l'avenir ensemble, au vivre ensemble, à la planète, à la biodiversité, au changement climatique, etc. C'est cette citoyenneté mondiale nouvelle que nous souhaitons promouvoir dans le monde, ce nouveau concept que nous lançons. Eh bien, sans la participation très active des jeunes, je crois que nous n'y arriverons pas. Merci. Madame la ministre, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous des obstacles, des défis? Quels sont-ils d'après vous? Eh bien, les défis actuels incluent cette jeunesse éclairée et les générations précédentes qui peut-être perdent du terrain. Et il faut renforcer l'enseignement et l'éducation dans toute la société pour qu'il y ait une correspondance entre ce que l'on apprend à l'école et ce que l'on retrouve en rentrant chez soi. Il y a effectivement une conscience vis-à-vis de l'environnement dans la jeunesse, mais le reste de la population n'a peut-être pas cette prise de conscience. Alors, comment faites-vous le lien? Comment créez-vous la passerelle? Eh bien, ce que nous devons faire, c'est de renforcer le message. C'est beaucoup plus facile pour les jeunes et les enfants de leur dire « Voici votre avenir, ne permettez pas à votre avenir d'être détruit parce que c'est à vous de le porter. » Les jeunes sont enthousiastes, ils ont peu à perdre. Il n'y a pas de concurrence économique à ce stade de leur vie. Et donc, ils ont une conscience très claire de ces questions. Je crois que nous devons renforcer cette éducation civique également. Également très important, je crois qu'il faut que cela soit intégré dans toute la population. Lorsque je me préparais à cette réunion, j'ai pu constater, nous avons des cursus, nous avons des politiques. Je ne suis pas sûre aujourd'hui de savoir où sont les lacunes. Nous n'avons pas les outils de suivi systématique de nos programmes pour identifier ces lacunes, pour nous assurer que tout soit durable et structuré. Et certaines des grandes questions, par exemple, nous avons un programme national pour le VIH-Sida, qui est un grand problème dans notre pays. L'éducation, ça nous concerne. Nous avons le département de l'environnement qui s'occupe de l'environnement, mais il n'y a pas de coordination à l'échelle nationale. Il n'y a pas de mouvement national. Et dans les écoles, c'est vrai, nous faisons des progrès. Mais nous avons du mal à faire l'évaluation et le suivi. Oui, merci Tariq. Madame la ministre disait que les choses vont très bien à l'école, mais que ça ne percole pas, pour ainsi dire, dans le restant de la société. Eh bien, l'intégration, cela dépend effectivement de la démarche adoptée en matière d'éducation pour la jeunesse. Je dirais que les choses sont effectivement dépassées les murs des écoles. Maintenant, comment passer à l'étape supérieure? Nous avons besoin de soutien institutionnel, pas seulement dans les écoles, mais également dans l'entreprise, les gouvernements. Et par exemple, à l'échelle des gouvernements, ce qu'ont dit les délégués de la jeunesse ici, c'est que très peu ont eu un contact quelconque avec une délégation gouvernementale. Et ce pour toute une série de raisons, bien sûr. Mais essayer de créer la passerelle pour mettre en place une coopération, pas seulement dans les écoles, mais ailleurs également, je crois qu'il nous faut une démarche holistique. Je crois que ça s'adresse peut-être à Madame Bokova. Quel est, à votre avis, l'avenir de l'EDD et quels engagements avez-vous pris pour le faire progresser? Eh bien, je crois que nous sommes ici rassemblés aujourd'hui pour mettre en place effectivement l'agenda pour l'avenir, pour l'EDD, pour adopter le plan d'action global, adopté par la Conférence générale de l'UNESCO l'an dernier, avec des idées très concrètes d'action à l'échelle nationale, régionale et
international. Et je crois que certaines choses très importantes se produisent déjà. Nous avons intégré l'EDD comme l'une des cibles, l'un des objectifs pour l'objectif de l'éducation dans l'agenda post-2015. Cela a été intégré et également pour l'initiative du secrétaire général, l'éducation d'abord, dirigée par l'UNESCO, en insistant sur la citoyenneté mondiale. Et je crois que le développement de ces concepts de citoyenneté mondiale à l'avenir, qui implique également l'EDD, sera quelque chose de tout à fait fondamental pour l'agenda du développement durable dans son ensemble. Je crois que nous n'aurons pas de société verte. Nous ne pourrons mettre en œuvre, quel que soit l'accord extraordinaire sans doute des gouvernements à Lima puis à Paris, si nous ne modifions pas notre façon de penser, notre mentalité, la façon dont nous vivons au quotidien, la façon dont nous consommons, nous produisons, nous vivons ensemble. Je crois que c'est tout à fait critique. Et c'est une cible principale pour ces objectifs de l'agenda post-2015. Et je crois que notre responsabilité à cette conférence-ci et l'importance de cette conférence est véritablement cruciale pour l'humanité. Merci, merci pour ces éléments très constructifs. Nous allons regarder au-delà de la décennie pour le DD dans un instant. Entre-temps, merci à l'ensemble des participants, à Madame Bokova, Madame Mochega, Madame Hopgood et à notre représentante de la jeunesse. Je remercie également leurs altesses impériales, le prince et la princesse héritiers. Ils vont quitter la salle maintenant. Merci de rester assis. Nous leur sommes profondément reconnaissants de nous avoir accordé ce temps ce matin pour cette séance très constructive. Merci infiniment. Maintenant, nous allons avoir un interlude culturel avant notre séance suivante. Je vérifie que tout est prêt. Je vous demande quelques instants.